Ouh, de retour sur 7 Days to Die. Les amis, on est de retour. Alors, j'ai mis jour 26-27, mais j'ai un gros doute. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Salut, Shadow. Comment va Shadow? La forme? Eh bien, 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 bien. De retour. Tu vois, c'est pas fini. Allez, on est de retour sur 7 Days to Die, les amis. On va continuer l'aventure. 7 Days, on va commencer, les amis, lentement mais sûrement, à arriver vers la fin de l'aventure 7 Days aussi. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais 7 Days, c'est un jeu quand même à l'infini, où il n'y a pas forcément de fin. Oui, mais toute bonne chose a une fin. Et on va arriver à un stade où, voilà, on va se dire que ça va être la fin. Et partir sur d'autres jeux, d'autres délires, pour aussi attirer un public un peu plus varié, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui fait un poil, qui fout un poil les chocottes, et forcément, il y a certains publics qui aimeraient peut-être venir voir la chaîne, mais qui n'ont peut-être pas forcément le plaisir du zonzon, quoi. Donc voilà. Donc logiquement, j'ai modifié un peu les paramètres, vous ne pourrez plus voir les lives en 1080, je l'ai fait exprès pour des raisons qualitatives. Voilà quoi, les chocottes, je vois pas de quoi tu parles, c'est ça. Non mais l'idée c'est d'essayer de partir sur des jeux qui sont un peu plus communs, qui attirent tout type de public. Je sais qu'il y a des jeux de survie qui sont pas forcément des jeux horreur, donc on essaiera de voir pour Rust entre autres. Rust fait partie de ces jeux justement sur lesquels j'aimerais venir, et d'ailleurs il y aura des lives cette semaine dessus. On va faire des lives découvertes de serveurs. Alors je sais qu'il y a peut-être des projets qui vont se faire aussi autour de Rust, donc on verra ce qu'il en sera. Là on est parti les amis pour un peu moins de 2 heures, on va peut-être faire 1h30, à peu près 1h30, 2h moins quart de live sur 7 Days. Alors ce tantôt et ce soir pas de live, mais on se retrouvera bien sûr demain, demain avec 2 lives je crois, hein, après-midi et soir, dont du Rust il me semble et du 7 Days. Donc voilà, on va essayer d'avancer un petit peu sur l'aventure aussi. Alors certains joueurs qui jouaient habituellement sur l'aventure ne viendront plus pour des raisons relationnelles, si je puis dire. Alors vous inquiétez pas, ça ne concerne pas notre joueur principal, Starming, qui reviendra à l'occasion sur 7 Days. Qu'on ne citera pas, c'est ça Shadow, qu'on ne citera pas. Voilà, en tout cas, on va essayer de continuer un petit peu l'aventure, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hola Angel, hola my friend, how are you my friend? Ok, donc bah, écoutez, on va continuer l'aventure, il est midi sur le jeu, donc je pense qu'on va aller faire un petit peu, bah, si c'était ça, 26-27, eh, j'ai eu le compas dans l'œil, hein, je l'ai fait à tâtons. Hein. On est à 2 jours de la prochaine vague, va falloir faire des balles, je pense, parce que dans 2 jours, c'est-à-dire dans 2 ou 3 lives, on va se faire une oh là là, oui, des 7-62, va falloir en faire. Alors les pompes et les 9 mm ça va aller, mais alors les 7,62 les amis, les 7,62, on n'est pas ouf quoi. Donc là je pense qu'on va aller farmer de quoi faire des balles, on va regarder ce qu'il nous faut, 7,62. C'est le générateur, je croyais que c'était un avion, je me suis dit, oh, airdrop. allez go, on va récupérer ça, on va regarder ce qu'il nous faut pour les 7,62 en plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des caisses. On aura bien plus de ressources. Alors, la poudre à canon, est-ce qu'on en avait fait, les amis? Est-ce qu'on avait fait de la poudre à canon, il me semble, hein. J'avais dû en faire ici, là, on va regarder, là. Alex, avant ton live, j'ai fait 2 chansons avec toi. Faut encore que j'en fasse, bien entendu, mais j'ai fait ma liberté de penser. Eh ben, il n'y a pas de souci. Ben, exigeant, moi, je suis pas exigeant. Hein. Je suis clairement pas exigeant. Hein. Les gens, ils se font plaisir. Le principal c'est ça en fait, de se faire plaisir, et de toute façon quoi qu'il arrive, moi c'est toujours un plaisir de vous voir chanter avec moi, et c'est plutôt cool que vous chantiez avec moi. Ah mais je pourrais encore, ah mais ça c'est les munitions tout court. Ah non, les boîtes ça m'intéresse bien, parce que avec une boîte de 100, vous voyez, je paye pour 80 en fait, je fais une économie. Je vais en faire d'autres là. Qu'est-ce qui me manque? Des pointes de balles et des douilles de balles. Allez, on va faire des pointes de balles. Pointe de balle, nice. Et on va faire des douilles de balle ailleurs. On va les faire là, par exemple. Douille de balle, nice. Allez, comme ça, on va pouvoir faire plein de balles. Parce que là, il nous faut des balles. Hein. Clairement, ça va être la priorité. Il va nous falloir des balles. Ben, go farmer, hein, j'ai envie de vous dire.
Ah, par contre, on n'est pas sûr comme sur Rust, j'ai pas 36 sacs. Est-ce qu'il était vide cette voiture? Yes. Allez, on prend celle-là. Oh là, par contre, niveau essence, attends. Voilà. C'est mieux là? Yes. Allez. On va se promener. Oula. On a un bug visuel là. C'est ouvert ou pas? Non, c'est pas ouvert. Allez, go. On bouge. Ah! J'ai un petit peu toussé. Par contre, ouais, graphiquement, là, c'est bizarre là, que ça mette 2 heures à me loader. J'avais baissé un petit peu la qualité visuelle du jeu. Ah ouais, double porte, toujours plus. Ah, toujours plus, Shadow, tu le sais bien, tu nous connais. Tu connais les Lascars. Allez, on va aller voir le poteau. On va aller voir ce qu'il nous propose en quête. Ouais, mais calme-toi quand même. Oh. Il nous propose pas des quêtes de ouf, hein. On va prendre des quêtes niveau. Tiens, on va se faire une petite élimination de zombies là. Ça apexe bien. On va regarder ce qu'il nous vend aussi. Qu'est-ce que tu as à me vendre, hein? Parce que j'ai un peu de thunes. J'ai un peu de thunes. Ah, les balles. On va les prendre, les balles là. Maintenant, moi je focus les balles, les loulous, hein. Là, il nous faut vraiment des balles. Il faudra qu'on fasse de l'argent. Donc, je pense que je vais aller faire de la pierre aussi. On va aller faire de la pierre après. Il est 3h22 dans mon pays. Oh! And you are not tired, Angel? Bon, en tout cas, on va avancer. Ah, attendez, je regarde. Oui, je vous surprendrai toujours de mon anglais. De mon anglais de ouf. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver, les potos. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir de vous retrouver en live. Allez, let's go. Oh non, non, non. Ouf. Ouh. T'es étonné de ouf. Comment ça, t'es étonné de ouf, Shadow? Alors dites-moi d'ailleurs si le son du jeu est pas trop fort par rapport à ma voix. Ah, t'es étonné. Ah, de mon anglais. Je sens presque de la mesquinerie dans ce que tu dis. Je sens que la fille est moqueuse un peu. Hein, non? C'est pas les mêmes touches que sur le. Ouh là là, que sur Rust. Pourquoi je lagouille un peu là? Non, j'ai rien d'ouvert pourtant. Ah! Allez, messieurs, dames, on vient faire un coucou à papa. C'est parti. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait du zonzon, mais alors où? Allez, voilà. Bonjour madame. Je suis là. D'un moment, ça sert à rien d'aller. Mais où il est? Ah, te voilà. Et merci, hein. Allez, mon personnage a faim. Chut. Non mais je mange, moi pas de sang STP. Ah bah pas de sang STP sur 7 Days, t'es mal parti, Shadow là. Sur 7 Days, ça va être compliqué de pas faire de sang. Ah la petite seringue, tiens. La petite piquouse pour le Covid. Qu'est-ce qu'on a de beau là? On a des bouquins. Alors là, on a une pharma. T'enlève pas, ça sert à rien. Te fatigue pas. Ne te donne pas la peine, mon loup. Ne te donne pas la peine. Allez, des médocs, ça c'est cool. Je suis pas venu pour ça à la base, hein. J'étais venu pour de la bouffe, mais dans une pharmacie, c'est vrai que la bouffe, ça va être un peu compliqué, quoi. Je me suis dit sur un malentendu. Mais bon, c'est pas grave. Là, y a rien. Là, y a de l'eau. Là, il y a quoi là? Des conserves. Là, on a quoi? Ah, on peut aller au plafond. D'accord, ok, on va y aller. On va aller jeter un coup d'œil au toit. Y a quelqu'un?
Vous fatiguez pas, hein. Ah, bah regardez, c'est pas Thibaut ça? C'est pas Thibaut ça? Oui, j'ai faim, je sais, je sais, je sais. Je sais. Je pourrais passer par la maison et tout, mais flemme quoi. Ouh là là! Ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai débloqué une compétence de saut, je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Allez, c'est parti, hein. On va chercher la voiture et on bouge. Te nourrir au médoc, c'est dangereux. J'avoue que ça peut être dangereux, ouais. Ça peut, on peut arriver à des extrémités un petit peu extrémisables, un petit peu. Hein. Allez, go! On trouvera de la bouffe une fois sur place là-bas. Ah, c'est vrai que sur Seven Days, pas de sang, est un peu compliqué. Moi, je veux bien, mais il va bien faire beaucoup de choses. Moi, je veux bien vous faire plaisir, mais je peux pas tout faire, quoi, bordel. Allez, go! Pousse! Allez, hu! Hu, cannabis, hu! Pour ceux qui ont la ref. Tu l'as? Très bien. Oh! Tristesse. Triste vie. Triste vie. Jamais dans le coffre. Allez hop. Et merci, hein. J'emmène ma voiture à la main, moi. Voilà. Je pense que la montagne, on va la passer sans la voiture, hein. Alors attendez. Oh, mais non! Non. Non. 2 secondes, hein. Les gens attendent toujours que je lance un stream pour m'appeler les petits loups. Je vais quand même rappeler vite fait, voir si c'est pas grave. Parce que bon, voilà quoi. Ah. Allez, allez. Mais pourquoi elle se pose pas cette voiture? Voilà. Merci. Là. Pose-toi. Merci. Alors, 2 petites secondes, les petits loups. Attendez. Hop. Tac. 2 petites secondes.
Excusez-moi les petits loups, excusez-moi les gens. Encore une nouvelle entrée dans la famille, merci à toi. Et Akali. Bienvenue à Starming, mes loulous. Mais qu'est-ce que tu fais? Troisième mois pour Starming qui vient d'arriver, quand je reviens d'ailleurs. Ah là 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 là, merci pour ton troisième mois, poteau. Désolé pour le petit AFK là de 2-3 minutes là. Mais il y en a qui n'ont pas de tête. Et du coup, heureusement que je suis là. Bon allez, on continue. C'est galère. Comment ça va, petit loulou? Le fou, l'arrivée du joueur français, Starming. Starming, j'ai lancé des balles de 7,62 parce qu'on est un petit peu à la dèche là. Va falloir que j'aille farmer après là. J'ai fait un petit peu de... je fais une quête là, au moins une quête. Et après je vais aller farmer un petit peu parce qu'il nous faut des balles là. Parce qu'on est jour 26. Oh, mais c'est impressionnant, je vais me taper tout ce qui tombe. Hein. Aïe, 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 aïe. Moi je vais bien, bah très bien si tu vas bien, Starming, c'est le principal. Là ça peut caler moi, il y a les poteaux qui sont là, ça fait plaisir. Allez hop, voilà la baraque, on va aller fouiller. En espérant qu'elle soit... Qu'elle donne pas mal... Oh. Calme-toi toi. Hein. Il va se calmer le zonzon là. Hein. Sinon je vais le calmer moi. Ville dans la neige les amis. Et il va falloir absolument que je mange. Parce que je suis pas bien. Oulala. Oulala, ce bâtiment, je l'aime pas trop là. Alors attendez, deux souvenirs. Vas-y. Oulala, 77 d'essence. Voilà. Alors, deux souvenirs, les petits loups. Deux souvenirs. Tout mène ici, en fait. Là, je vais avoir accès au coffre direct, normalement, ici. Voilà, vous voyez. Par contre, j'ai pas envie qu'il m'arrive des problèmes non prévus. Donc, on va péter ça. Je me suis mise au calme, donc ça va. Bah, nickel. Ouh là là. Alors, attendez. Hop là, et non. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Ouh, à feu. Pardon, excusez-moi. Je me suis emballé. Allez, de la bouffe. Non, faut de la bouffe. Mais quoi? Mais c'est quoi ces loot? C'est quoi ces loot, sérieux? Mais ça, on s'en fout, on a la fourreuse. Ah, j'ai eu peur, là. Ah, j'ai eu peur, les petits loups. Je commençais à me dire, aïe, on n'a pas de loot, quoi. Par contre, j'aurais peut-être dû me vider un peu, là, avant de venir chercher les choses, là. Ah ouais, j'aurais peut-être dû me vider un peu, là. Ouh, c'est quoi, ça? Fusil de précision, c'est pas mal, ça? So good. Bah écoute, je me suis mis au calme, donc ça va, ouais. Ouais, pas terrible les loot là. On va se boire un petit coup là, parce que... On marquerait l'imitation sans... Toujours aussi impressionnante. Ouais, je pense que je vais faire un aller-retour rapide là, parce que je... Mais j'ai pas déjà looté ici là? Je suis en train de me demander si j'ai pas déjà looté les gars. Ah... La rentrée du joueur français, les amis. Alors, attendez, faut que je fasse une manip vite fait parce que je crois que j'avais pas ouvert la game. Attendez. Et pour deux secondes, afficher. Pour que le petit jeune vienne me rejoindre. Les profils. Ça fait un petit moment là qu'on n'était pas venu sur 7 Day. Donc, c'est plutôt cool. On va bien sûr se mettre en vocal avec, avec le poteau. Alors, attendez. Ah! Allez! Voilà, contact, nickel. Voilà, logiquement, ça devrait être bon. On va se mettre sur le salon réservé à cet effet. Là, voilà. Logiquement, on entendra le petit pousser comme ça.
Tac, nickel. Bon, maintenant c'est ouvert. Par contre, ouais, il faut que je ressorte du coup et que je me vide l'inventaire dans la voiture. On n'a pas le temps, messieurs, dames. J'ai dit. Yo, Starming. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Mais ça va? Allez, bisous. Hein. Oh, il y a un loulou là. Alors... Oh, il y a un loulou. Je me passe en valide. Alors, allez. Ah, c'est le même mot de passe. Bon. Je sais pas pourquoi on me le redemande. Mais... Ouais, c'est clair, ça devrait l'enregistrer. Bon, j'ai regardé, on n'est pas bien niveau balle. Hein. Niveau 7,62 là. J'en ai relancé, mais. On a quelques petites problèmes de quantité, disons. Quoi. Ah, attends, parce qu'il y a un loup là-bas, je vais le tuer avant qu'il m'attaque par derrière, parce que je connais bien les loups. Je sais comment ils sont, c'est toujours la même chose avec eux. Ah oui, ouais, c'est... Voilà, ça, ça dort. Comme ça, au moins, on n'est plus embêté. Et en plus, je vais lui scalper la tronche. Je sais même plus si j'avais fini les pièges autour ou quoi. Oh, je sais plus. Ça, c'est que ça commence à remonter à force, hein. C'est vrai que on a un petit peu switché sur Rust pendant les vacances, on vous le cache pas. Et notre ami Starming, bien entendu, qui s'est mis lui à fond sur Sea of TF aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous voir en live. T'avais pas marqué, Shadow. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai, les temps de chargement dans le jeu. Ah, ben là, que tu me diras, Rust, avant de te connecter Rust, à un serveur. Rien, mais... des fois, avant de te connecter à un serveur sur Rust, ça pique, quoi. Hop, sans, je vais revenir pour farmer ce qu'il faut pour les balles. Parce que c'est vrai que. Bon, comme j'expliquais, de toute façon, on va arriver tôt ou tard à la fin du jeu aussi. Hein. Enfin, à la fin tout du moins de ce qui est. Ah, oh, bah tiens, tronçonneuse niveau 5. Allez, hop, bisous. Hein. C'est complètement what the fuck. Mais et du coup c'est vrai que forcément bah voilà quoi, on va arriver à la fin et on passera sûrement à autre chose sur la chaîne. Ah bien sûr, avec le poteau ou pas, on verra. Hein. Du Rust qui s'annonce peut-être, on verra. on verra. Les prévisions. Alors sûr, il y en aura de toute façon, quoi qu'il arrive. On va faire un petit peu de découverte serveur très bientôt là. Normalement demain, j'en ai, je crois, demain après-midi. Alors on va faire de la découverte serveur. Pour ceux qui voudront venir voir, n'hésitez pas. Mais maintenant que tu le dis, c'est fortement probable. Qu'est-ce que tu racontes, Shadow? Tu dis bêtises encore? Dis tendancieux, Shadow, là. Mais non, Ah oui, ok. Il fallait que je fasse ça. Ça y est, tu te souviens? Ça te revient? Ouais, je suis en train de faire le tour de tous les interrupteurs pour voir ce qui manquait. D'accord. Ouais, parce que tu peux pas mettre qu'un seul interrupteur, en fait. C'est ça le problème. Que ça soit sur Rust ou là-dessus, toi, faut que ça fasse le courant, hein. L'électricité. Hein. Ah oui. Monsieur électricité, vous connaissez. On va l'appeler le frère lumière bientôt, vous allez voir. Bon, moi, je fais ma petite quête là où je suis, là. Et puis après, j'arrive. Je me mettrai en full farm. Ça.
est-ce que j'avais mis quoi? Kit de câblage. Oh là, il y a un crasher là. Ah oui, c'est vrai, c'est le jeu où tu passes ton temps à manger. Ah l'enfoiré. Il m'a craché dessus. Il a craché dans mon yop. Il a craché dans mon yop, bordel. Franchement, le gars, s'il te met un molar de cette couleur dans ton yop, inquiète-toi. Arrêtez de me juger. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah mince, faut que je te rajoute au fait. Pour partager mon XP. Bonjour monsieur. On va essayer de faire ça rapidement là. Hop, hop, hop. Voilà monsieur Tom Cody. Merci. Merci Mathieu Grant. Non, non le chien. Ah merci. Où est-il? Ah oui, c'est vrai, j'avais rasé un bâtiment. Oh! 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 Toujours plus! Oh! Ah bon, madame. Oh, salut Anto, comment ça va Anto? Bon, il y a un chien là, mais impossible de savoir où il est. C'est enfoiré là. Bon, il s'excite, mais je sais pas où il est, donc on va le laisser tranquille. Comment va Anto? Par contre, pourquoi j'ai... Ouais, attends, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Allez, le moteur qui fait plaisir. Oh, de la bouffe! Oh, de la bouffe! J'avais tellement la dalle sur le jeu. Oh, j'ai tellement l'espoir que les dernières lames se connectent proprement. Et voilà. Dague. Allez, la petite hache niveau 5. Dont on se moque. Ah, verrouillé. Je déverrouille, l'ami, je déverrouille. Et Starming, évite de mourir dans tes pics, hein. C'est ça, Shadow. Ah, là, c'était pas les pics qui risquaient de me tuer, là. C'était les lames qui tournaient, là. Vous pourrez retrouver, bien sûr... dans le best-of du mois, les meilleurs cris de Starming. Le best of the cris. Et en exclusivité un cri de Shadow. Il y a un cri de Shadow d'ailleurs aussi, hein, un cri de Shadow. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la serial clipeuse, Shadow, vous avez son couinement. Par contre, ça m'agace là, tu peux t'ouvrir le... Bon, vas-y, il me fatigue. Si tu veux pas t'ouvrir, loulou, je vais t'aider, hein. Oula, je suis trop habitué à Rust. Ah ouais, hein, t'as vu comment, quand tu passes d'un jeu à l'autre, là que, t'as envie de tout recycler, là. T'as vu quand on... Ah, par contre, sur... ce qu'il y a de bien, c'est que... Ici, tu peux recycler sans forcément passer par la case machine à recycler, quoi. Oui, sans passer par la recycleuse, là. Putain, j'entends un chien là, mais je sais pas où il est là. Il me met la pression! Vas-y, recycle-moi ça. On va recycler ça. On a dit qu'on gardait que les fringues niveau 6 maintenant. Hein. Mais ça... On va recycler ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que. Voilà. Ok, ah oui, c'est allez, vrai, c'est parti. Maintenant, l'éclairage pouvait tourner en boucle parce que
Bah, ça tournait tout seul, il n'y avait même plus Mais de où? gaspillage d'électricité. J'entends bien qu'il y a quelqu'un qui veut m'esquinter. Mais où est-il? Oula. Ça, je sais où c'est en tout cas. Allez, viens là, toi. Oh là là, oh là là, ouais, priorité au bal, mon gars, hein. Ça dégage, ça. Par contre, t'as envie de faire un slash ces bagues là, hein, mais ça marche pas là. Et ça, on peut le prendre, j'en ai de la place normalement. Allez, parce que là, alors faut que je fasse gaffe qu'il y a des, il y a quand même des mines là-dedans là. Te fatigue pas à te relever, Alex. T'en es où au niveau des coups de fusil à pompe pour rien, par contre? Alors, j'ai mis les lames, j'ai mis Ah, il y a ça, il tellement de faudrait plus de zonzons lames. là. Oula. Toujours plus, hein. Alors, fallait lui faire forger de l'acier forgé, des pièces mécaniques, des pièces électriques et du Attends. pétrole. On va faire péter tout ça là. Parce que ça, c'est un coup. Parce que ça me pète à la tronche. Voilà, monsieur, un peu d'XP. Terminer les zones. Voilà, Merci, terminer les zones. merci. Oh bah écoute, quand moi je peux Voilà. rendre service. Quand moi je peux rendre service, c'est je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, moi. Ça, j'en fais quoi? Ah. J'en fais rien de ça. Tain, autant dans Rust, la pierre est utile qu'autant là-dessus, là, t'en peux plus quoi de la pierre au bout d'un moment, quoi. Allez, bonjour, Ah hein. C'est ici là qu'il y a des enfants qui veulent mourir. Bonjour madame. Au revoir madame. C'est comme dans Walking Dead ça les gars, il y a 10 fois plus de zombies qu'il y a de population mondiale. Ah, je crois que j'ai trouvé le chien. Ah, mais je crois qu'il m'a trouvé aussi d'ailleurs, soyez en passant. Wow! Mais un ours! Mais il y a un ours! Mais non! Il y a un ours! Il va me tuer ce con! Ah, il me fallait des boîtes de course rapide. Non, mais il y a deux ours! Ouais, mais bon, après ils sont buggés donc. Non, mais. Bah, buggé, ouais, vite fait quand même, hein! Ah, lui là, celui-là il est buggé, mais l'autre là. L'autre il a passé une porte qui était plus petite que lui, quoi. Ah bah tu sais hein, quand on s'est rentré son ventre, ça va vite hein. Oh my godness! J'étais pas prêt là. J'étais pas prêt par petit ours brun là. Oh, mais il marche reculons! Regarde! Il avance par le cul! Regarde-le! Regarde! Ah mais je vois. C'est ouf! Ah, je suis coincé! Ah, je suis coincé! Non, monsieur! Non! Non! Oh, c'est chaud! Oh, c'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Il est généreux! Ouais, c'est ça. Il y a des mines et des zombies qui tombent du ciel. C'est ça. C'est ça. C'est des ours même. Des ours même. On n'a pas le temps, madame. Attends, c'est encore un ours, ça. Mais c'est une plaisanterie, bordel de merde! On est d'accord que c'est une plaisanterie là, il y a un spawner à ours ou quoi là? On n'est pas sur Minecraft pourtant. Mais c'est ouf, regarde! Troisième ours dans la base quoi. On en parle ou comment ça se passe? En plus, l'objet il Bordel! rapporte pas grand-chose, hein. Mais non, c'est de la viande pourrie. Puis là, la viande pourrie, on en a crevé, c'est bon. Putain, sérieux? Il joue avec mes émotions là.
Qu'est-ce que je voulais faire à la base? Je sais plus ce que je voulais faire. Je sais plus ce que je voulais faire tout à l'heure. Ça m'a tellement troublé là cette histoire là. Attends, on va recycler ça parce qu'on en a plein. Faire de la place. Et j'ai encore faim, t'es sérieux? J'ai toujours pas terminé mes quêtes moi par contre. C'est pas ça qui fait que je pense. Allez, viens aider les zonzons. Bonjour madame. Non mais les ours, je veux bien, mais quand même, quoi, il y a de limite, quoi. Il est quelle heure? 18h en plus déjà. Allez, bisous. Hein. Allez, je vais à l'étage, c'est bon. Te fatigue pas. Et là, faut que je descende, ok. Il va falloir que je fasse un aller-retour quand même au camion. Je vais finir la zone pour finir la zone, mais... Bon, après, j'ai looté ce que je voulais looter, après. Alors, on va mettre un interrupteur là, si je me souviens bien, c'est... ça qui va là. Pourquoi t'attaques? Ouais, faut que je fasse ce petit local là. Un troisième, sérieusement? Non, mais zombie difficulté max. On est sur la même difficulté que ce que j'avais mis lors du dernier live à l'époque. Ouais, déjà, c'est bien là. Déjà, là. Là, déjà, on est bien là. Trois ours, déjà, ça va. Ta-ta-ta! Nouvelle catégorie! Alors ouais, ça sera aussi un des critères qui fera que la série se terminera aussi. C'est les catégories à fond, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on aura rempli toutes les catégories, voilà quoi. Pareil, hein, si tu veux venir en taux, n'hésite pas. Hein. Plus il y a de bras, plus il y a de chocolat, quoi. Oui, aussi. Si tu veux venir, il n'y a pas de souci, au contraire. Hein. Alors par contre, ouais, je crève la dalle. Il faut que je rentre à la base vite fait là. On va rendre la quête et on va aller farmer de quoi faire des balles. Tiens, avant toute chose, je vais farmer des voitures là. Parce que je crois qu'il te faut des trucs d'essence aussi, toi. Il y a des moteurs là. Des... Ouais, une sorte de petit moteur là. De moteur. J'en ai récupéré, mais faut que je continue à faire des voitures là parce que. Le problème, c'est que je crève la dalle, fait chier là. Sur le jeu, hein, bien sûr. C'est vrai que le personnage s'essouffle tellement vite dans le jeu. C'est pas Rust avec l'énergie infinie. Hein. Allez go. On va les farmer un peu après. Ah, une voiture là. Hop, stop. Ah oui, c'est pas la touche saut pour sortir de la voiture là. Oh là là là. Faut vraiment reprendre le rythme. Ah oui. Allez go. Oh là. Non, c'est 7 day. Pas la grande formation. Ah, des fois c'est, des fois on essaie de trouver des, c'est compliqué. Quand le cerveau veut pas, il veut pas quoi. Ah
Allez, on va rendre la quête. Je vais aller farmer un peu de minerai après, là, histoire de faire des balles. Parce que les balles 7,62, ça va être la priorita. La priorita. Starming a les idées foireuses. Un leitmotiv, ça. Ah ouais, ouais, non, il faut dormir. Voilà, là, si tu commences à retrouver un peu l'apaisement, là, moi, je te conseille d'aller dormir, hein, même s'il est 10h. Allez, non, tu montes, par contre, parce que là, je peux pas récupérer la voiture, là. Voilà. Oh là là, ces montagnes, là, elles sont agaçantes, là. Alors, enfin, je me fasse un hélico, moi, à cette allure, là. Et le pire, c'est que je me tâte à en faire, en plus. Le problème, c'est que je sais pas si ça se conduit facilement, ça. Ah bah, il faut déjà trouver les pièces de l'hélico. Non, mais c'est juste les... Ça, moi, les pièces, je peux les faire. Ça va être surtout de l'acier forgé, choses comme ça, quoi. Ah oui, oh, ça, on a le stock, hein. Ouais, mais c'est pour ça. Je pense que je vais en faire un d'ici à Out of Live, là. Peut-être après la prochaine vague, je verrai. Histoire qu'on fasse les quêtes plus rapidement, tu sais. On arrive, bam, on pète tout, on fait la quête. On prend l'XP. D'ailleurs, en parlant d'XP, alors, j'ai pas de points. Non, j'ai pas de points. Allez, j'arrive à la maison. On va rendre la quête vite fait avant. Ah, je te vois. Papa rentre à la maison. Il va falloir qu'on plante des arbres aussi. Hein. Ouais, il faut voir. Après, c'est peut-être le mal de crâne, peut-être aussi le fait d'être resté longtemps sur les écrans. Tu sais, les écrans bleus et tout, c'est pas forcément bon. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là? On a des balles, de l'acier jambière. Ouais, je vais prendre la tourelle et les balles. Et merci. Après, c'est des quêtes qui me tentent pas des masses. Qui me tentent vraiment pas des masses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites balles. On va regarder ce qu'il me faut. Logiquement, du fer. Alors, ça, on le connecte là. Je vais ramener la voiture. Il n'y a pas besoin que j'aille en voiture là, ça. Ah oui, tu faisais tes broyeurs là. Ouais. Alors logiquement, prochaine vague, on va déjà sortir la différence déjà, non? C'est ce que tu m'as dit. Ah, prochaine vague, on sera prêt. Hein. C'est vague jour 28. Hein. Jour 28, ouais, quatrième vague. Ouais, on va avoir largement la différence. C'est ça qui est bon. Par contre, j'ai des bugs visuels, je sais pas pourquoi, là. Quoi, cette histoire, là? Ouf, alors ouais, tu vas le cratère, hein. Ah, ouais, mais ça va être compliqué si je vois ça, moi. Ah, c'est bon. Il y a des petits bugs visuels ce matin, là. Allez, matin, comme ça. Bon, je range tout à l'arrache, on verra plus tard. Alors, que je mange un truc. Attends, les douilles de balles, je vais les prendre. Ça, on va le recycler aussi. Je vais juste garder tout ce qui est minerai, histoire de le faire fondre. Là, il n'y a rien, là. T'as 30 moteurs bleus là. Des pièces mécaniques là. Ça, je sais que ça t'intéressait aussi. Attends, j'ai de la telle, je vais m'en prendre une vite. Je peux pas. Ah bon, ma vitamine là. Voilà, on passe déjà 5 minutes, c'est mieux. Est-ce que je peux faire de la bouffe? Attends, on va se prendre ça là. Voilà, on va manger un petit peu de la bouffe. On va bouffer de la conserve, on en a crevé de la conserve. On fera des petites quêtes alimentaires plus tard. Après j'ai ramené aussi pas mal de viande, donc je vais en faire cuire avec des œufs. Je sais pas si on a fait. Oui, planter des arbres, non mais oh. C'est ça. On s'engueulait. Ah mais plus de respect quoi. On se fait pas respecter là. Hein. Bon voilà là, normalement j'ai plus faim là.
C'est bon? Yes. Ok. Tiens, au pire, je vais me prendre un œuf bacon là. Ça, ça va, là, ça va calmer mon appétit. Attends, je suis à 112 de bouffe là. Tu vas vraiment me casser les pieds là, vraiment? Je suis bien là. Ok. Alors, tiens, on va en profiter pour. Voilà, comme ça. Ah oui, c'est vrai que tu avais rempli les coffres de bois ici. Alors, là, ici, on a 800 pointes. On devrait avoir normalement des. Voilà, 500. Est-ce que j'ai de la poudre sur moi encore? Non, j'en ai plus. Alors, attendez. On va recycler ça. On va mettre du fer. Il faut vraiment que j'aille farmer du fer et tout. Là, il n'y a plus de fer dans ce four. C'est quoi ce bordel? Pourtant, on en a du fer en stock. Hein. On en avait farmé avec Anto, là. On avait fait les sagouins, là. N'est-ce pas, Anto? Là, on a du fer et de l'argent. Pour créer des moteurs. Les moteurs? Ah, les ouais. Moteurs tout court. Non, c'est moteur, je peux pas. Hein. C'est pas les moteurs, ah, c'est les... Les, c'est les batteries. C'est les batteries. Mais moteur, j'en ai loot un que j'ai mis dans les coffres centrales. Là. Il me semble. S'il est pas dans le coffre central, il est dans la voiture en dessous. Attends, parce que du coup, il faut que je prenne. Non, c'est pas ici. Alors, logiquement. Ouais, non, il est dans la voiture. Faut que je fasse de la poudre à canon. Hein. Ça va être. Et la poudre à canon, pour la faire, c'est. Du charbon et du nitrate. Donc on va aller farmer ça plus tard. Bah, tiens, mais je vais voir si on n'a pas en stock là. Charbon et nitrate. Ouais, nitrate, on en a un petit peu ici. C'est du charbon, il va falloir que j'aille farmer mon petit loup. Alors on va faire un petit peu de poudre à canon. On va lancer la confection de balles. T'as enlevé les balles? Ouais. Ok, d'accord. Je les ai mis dans le coffre. Très bien. T'as vu, c'était les caisses de 100. Ouais, j'ai là, vu. J'en refais 7, ce qui va nous faire 700 balles plus les 700 que j'avais déjà fait, ce qui fait 1400 balles. Commence à être pas mal, là. Commence à être pas mal. Mais je vais quand même en refarmer parce que la prochaine vague va arriver, on aura plus rien. On va être dans le flou. Les prochains, il va falloir essayer de. La prochaine fois qu'on va dans un trader, il faudra qu'on trouve des moteurs. Très bien. Assez urgemment. Bah écoute, on va essayer. Parce que les moteurs. Là, faut peut-être faire les trois. Peut-être faire les trois vendeurs, peut-être. Ah là ouais, il va falloir faire le tour. Moi je t'avoue là, je vais prioriser un petit peu le farming pour les balles parce que sinon ça va être compliqué. Je vais essayer de moins. Tiens, mais ça on peut tous les ouvrir là. Voilà, ça on peut les ouvrir comme ça. Ça nous fera 14 000 toi, bah, c'est cool. T'aurais dû me le dire, je t'avais filé 6 000 que j'ai. Pierre précieuse. Non, c'est pas ça que je voulais. J'ai dit qu'il fallait que je farme quoi déjà? Du charbon. Alors, est-ce que tu as des trucs à vendre? Tous les tons, là, faut que je les mette à fondre aussi, là. Ouais, du charbon, merci Shadow. Shadow essuie, elle est là, elle est fidèle au poste. Allez, charbon, c'est parti. Alors, charbon aussi, est-ce qu'on avait du charbon dans notre mine? Oh, je sais plus. On va aller voir. Déjà, il faut que je prenne de l'essence. Ah non, ça c'est d'accord, c'est des paquets de 1000, 10 000. Ouais, ok. En tout cas, merci encore pour le sub, ça fait plaisir. Ouais, si, quand même. C'est le troisième mois. Hein. Troisième mois déjà, tu te rends compte? 3 mois qu'on se connaît, mon petit Starming. Un peu plus, 4 mois, on va dire. Un peu chez Poussina, un petit peu. Mois. Le temps passe vite, quand même. Le temps passe vite. Allez, go! Salut Vince! Comment tu vas? Welcome
in the Seven Day Adventure. Avec le poteau Starming. Ça, c'est quoi? C'est du fer, ça? Ah non, c'est du charbon, ça! Regarde donc le petit gisement, là, qui était caché sous mes pieds. Donne-moi du charbon! Par contre, fais gaffe, parce que je crois que... tu te souviens ce qui m'était arrivé dans la mine? C'est-à-dire? Toute une population qui est arrivée d'un coup là. Ah oui! Je vais faire un câlin avec mon pompe. Parce que fais gaffe, parce que le truc c'est que je crois que en fait il y a la chape que j'avais fait au tout début qui n'est plus très stable. Ouais, qui va falloir qu'on rire. Va falloir qu'on renforce un peu ça aussi. Soit la mine c'est pareil hein. Par la suite je vais faire là, tu sais, on a une couche de mine là. Et l'idée, ouais, ça serait de faire une couche encore en dessous. Tu sais, faire une sorte de chapeau sol, là. Et ouais, ben, de miner encore en dessous, quoi. Toujours plus, quoi. Ouais, mais ça, je verrai ça. Les calculs. Ça n'arrive pas deux fois au même endroit. Bon, on sait jamais, Shadow. On sait jamais, Starming peut nous attirer la Shkoumoun deux fois quand même. C'est vrai. Je fais de la pierre, comme ça je vais en vendre un petit peu, histoire qu'on passe un peu de sous aussi. Ça se vend quand même 1200 le stack. Et ça va très très vite. Pareil, tout ce qui est fringues et tout là, HL, faut qu'on les vende. Hein. Faut qu'on fasse de la monnaie là. Parce que avec tout ce qu'on a là en équipement qu'on se sert plus et tout, je suis sûr qu'on peut très très vite monter niveau thune. Ah oui. Je suis sûr qu'on peut très vite monter. Un petit filon de charbon des familles ici là. C'est bon ça quand tu trouves des filons dans la mine. On va essayer de faire au moins 10 000 de charbon si possible. Détecteur de mouvement. Acier forgé, pièces d'armes de poing, pétrole et polymère aussi. Enfin, ça sert à quelque chose le polymère recyclé. Alors, du pétrole, ça se fait, on peut se faire. Pièces d'armes de poing. Pièces d'armes de poing, on les a ici, normalement. T'es en vacances, Vince? D'accord, c'est cool ça. C'est cool. J'ai acheté des caméras de surveillance. T'as peur qu'il y ait des zombies qui fricotent près de notre base? Ça sera pour mettre des tourelles en plus des... Ah ouais, d'accord. Bah ouais, non, bah ouais, toujours plus quoi. Ah oui, toujours plus. Hein. Il vaut mieux prévenir que guérir. Hein.
Toujours plus Starming, c'est ça Shadow. Toujours plus. En plus c'est les munitions là de pistolet là, les... Les 9 mm. Ouais, les 9 mm. Ah ça c'est bon ça parce qu'on en a beaucoup. Cette mine elle est tellement énorme. Quand même un fait notable les loulous, ça fait quand même 26 jours, c'est-à-dire environ, vous multipliez ça par 2 heures, par jour à peu près, en moyenne. Ça fait quand même 52 heures quand même que je ne suis pas mort sur 7 Day quand même. C'est quand même un fait notable quand même. Ah, parti se coucher loulou. Pardon, excusez-moi. Je me suis laissé emballer par le bruit de ma fourreuse. Alors que d'autres sont déjà morts. C'est vrai. C'est vrai. Ah, une copine à moi, ça. J'arrive, ma grande, j'arrive. Bouge pas. Allez, viens. Oh non! Même pas il me l'a laissé quoi. Même pas il me l'a laissé. T'inquiète pas, elle a appelé ses amis. Oula, ouais, elle a... Oula, voilà. Ah oui d'accord, toujours plus le chien quoi. Ah oui d'accord, mais c'est qu'il y a un trou là, j'ai même pas fait gaffe. C'est qu'il y a un trou là. Attendez, on va faire des bois blocs. Je me suis dit, j'entends un chien, j'entends vachement bien là d'un coup là. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que je les entends vachement bien. Ça me rappelle la jeunesse. T'as vraiment connu les petites pétrolettes toi? T'as vraiment connu ça toi? Ouais, j'ai connu moi. Non. J'ai connu les petits 103 Peugeot, moi, hein, les 103, là. Vous les connaissez, hein. Les vrais vieux savent. Il tue la femme, mais il te laisse le chien. T'as vu comment il est? C'est vrai. Avec Starming, il a changé, quand même. Il a changé, hein. L'homme a changé. Aïe. Aïe, c'est parti, là. C'est tendancieux, hein. Et voilà, j'ai oublié ce que j'allais faire, je devais faire. Punaise, ça m'énerve. Shadow te trouble, hein, quand même. Hein. Shadow te trouble. Hein. 51 MBK. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Ça ne me rajeunit pas. Après, moi, je suis pas trop de roue. Hein. Mais c'est vrai que j'ai eu ma période où il fallait bosser et puis. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais sauf qu'aujourd'hui j'ai le permis et tout. Et c'est vrai que ça rend nostalgique un peu tout ça quand même. On était encore frais et beau à l'époque. Hein. Ah maintenant. Ah mais maintenant on est plus de première fraîcheur comme on dit quoi. Les rampes. Ça va aller Starming, tu vas t'en remettre. Tu sais que j'ai failli faire un slash home. Oh putain, non mais... Franchement, je crois qu'on est devenu malade. On est devenu accro à Rust là. Après, le farming est quand même bien plus plaisant sur 7 Day que sur Rust par contre. Le farming, j'entends. Parce que sur t'as pas la... Enfin, la foreuse est moins... Enfin... Là, t'as plus de minerais, t'as plus de... Tu vois ce que je veux dire? C'est plus... Ça a aidé pour draguer. Ah, c'est vrai que le petit deux roues, il a fait sensation à l'époque. Puis alors, attends, pire, Vince. J'avais le deux roues et la guitare dans le dos. Attention. Attention.
Le duo gagnant, le duo gagnant. Le combo ultime, c'est ça. Le combo ultime. La guitare et le deux roues. Avec le look, tu sais, cheveux longs dans le ventre, c'est à la Francis Lalanne. À l'époque, la coupe à la Francis Lalanne, ça plaisait bien. Mais fallait être musicos un peu, parce que sinon, ça marchait pas trop. Ah, mais on parle de ça il y a peut-être 15-20 ans presque. Enfin, pas 20 ans, mais au moins 15 ans. Quoi. C'est le début des années 2000, les petits loups. Oui, où il y a eu des goûts vestimentaires très douteux. Ah, bah oui. Bon, tu sais, à notre époque, des fois j'ai peur. Hein. Non, le pire niveau vestimentaire, c'était vraiment les années 90. Les années 90, waouh! Ah, ça piquait là! Avec les vêtements bien colorés. Moi, dis-toi, j'ai vécu les années 90 en retard. D'accord. Parce qu'en fait, comme je suis dans une famille nombreuse quand même, tu vois. Le truc, c'est qu'on a récupéré les vêtements de mes grands frères. Ah ouais! Donc le truc c'est que imagine les gars dans les années 2000 avec les vêtements des années 90 quoi. Ah oui. Ah oui quand même. Ah ouais c'est un choc hein. Ah ça peut être un choc ouais. Tu regardes les photos de classe t'as l'impression que ça a été pris en 90 quoi. Ouais. Ah bah c'est clair. Tu joues deux accords et tu es la star des minettes. Ah bah c'est clair, parce que je savais pas en jouer. c'est ça le pire. C'est que je savais pas en jouer de la guitare. J'arrivais, je faisais... tu sais, j'avais appris juste les trois premières lettres de Jeux Interdits, tu sais. Et là, tu sais, tu sors la phrase... Ouais, je vais pas trop vous en faire parce que sinon... Le truand, quoi. Le truand, quoi. Oh, l'enfoiré, quoi. Ah ouais, non. Je suis pas trop vous habituer à mon talent. Ah, on a eu l'époque un petit peu, voilà, chauvin un petit peu. Bon, j'ai combien de charbon là? J'en suis à 6, 7004. Eh ben bravo. Je suis sûr que Shadow, il y a 15 ans, t'aurais dit waouh, waouh, quel homme. Menteuse, va. En plus, dans la musique, en plus. Non, c'est vrai. T'aimes plutôt les intellectuels, toi. Les intellectuels. Ah, ah, putain, c'est quoi le nom? Ah, comment on appelle les personnes qui sont attirées par les intellectuels? Il y a 15 ans, j'avais 3 ans, donc bon. Eh, il y a 15 ans, j'étais peut-être intéressé par les petits de 3 ans aussi. Oh non, ah, c'est trash. Non, je plaisante, bien entendu. Non, non, mais... C'est les goûts, les couleurs. Hein. Ça suffit. Ça suffit. Je suis pas premier degré, moi, Starving. Hein. Putain, mais qui c'est qui a fait cette mine, là, à l'arrache, là? Ah, c'est moi. Pourquoi? Parce que je me suis dit... Qu'est-ce qu'il y a par là-bas en fait? Mais c'est pour ça qu'elle s'est cassé la gueule ta mine. Mais c'est pas cassé la gueule ma mine. Bah t'as dit ouais mais il y a plein de zombies qui arrivent sur moi etc. Bah oui mais il y a plein de zombies qui sont venus sur moi. Ah tu m'étonnes, t'as été renfermé, c'est pour ça que t'en as chié. Mais là si on m'attaque je les vois venir là. On va le faire à ce niveau là, le plafond là. Faut que j'aille farmer du bois là parce que. Dans l'excès quoi. C'est bien ce qu'on dit à l'arrache.
C'est ça. C'est toi qui es à côté là? Ouais. Ouais. Ah, dommage, un cran en dessous. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Cherchez du bois. Parce que du coup, je vais commencer la couche. Ah, ça a cartonné ça à l'époque, ça. Musique de Jeux Interdits et tout, là. T'arrivais, tu faisais un peu de Francis. Quoi que tu fasses, monde est partout, tu regardes. Dans les moindres starmings qui dépassent. Je vais replanter un peu d'herbe à côté de chez nous parce que des arbres parce que. Ouais, sinon je vais pas venir. Obligé de courir à 10 km, c'est relou quoi. Je vais couper quelques arbres, ramener les graines vers chez nous. Bon, en tout cas, maintenant les mecs ont plus la même façon de draguer les filles. Ah non, maintenant c'est wesh, vas-y, t'es bonne toi! Vas-y, t'es fraîche! Vas-y, mademoiselle! T'es fraîche comme la rosée du printemps, quoi! Non, 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 non. Non. C'est démodé, la rosée du printemps. Vas-y, hey, tu sais que toi, si t'étais une salade, tu serais une salade royale. Non, encore pas, tu vois, on dirait. T'es la salade du kebab. Vas-y, si t'étais de la viande, tu serais une viande à peine découpée. T'es fraîche comme un bonbon à l'amande, vas-y. Non, ça marche plus, il mange plus de bonbons à la menthe de Il y a nos petit jours. ours brun, il y a petit ours brun. Qu'est-ce qu'il fait, petit ours brun là? Fais dodo, petit ours brun. Petit ours brun, c'est un sacré galopin. Merci, hein. Oh, il est déjà 10h30, mais ça passe tellement vite, les amis. Ça passe tellement vite. On est déjà à 1h10 de live. On a encore une demi-heure ensemble, les potos. Cette maladie. Non, mais. Le pont qui serait refermé Non, sur mais. Moi. C'est vrai que. Non mais c'est vrai qu'à l'époque, on sentait le besoin, nous les hommes, enfin en tout cas moi c'était mon cas, tu sais, le paraître était important avant le dialogue. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on soit forcément beau, mais il fallait qu'on plaise. Fallait qu'on plaise, fallait qu'on ait quelque chose chez nous qui sorte un petit peu du commun. Parce que malheureusement, c'était un petit peu ça à l'époque. Les gens étaient un petit peu tous différents. Il y avait tous les styles, hein. T'avais les gothiques, t'avais les punks, t'avais les intellos, t'avais les musicos, t'avais les skatos, t'avais les geeks. T'avais... Enfin, il y avait plein de styles plein de styles. De nos jours, j'ai l'impression que maintenant, les gens s'uniformisent de plus en plus et que les gens ne s'autorisent plus, enfin, surtout les hommes, parce que c'est souvent eux qui font le premier pas. Après, attention, hein, il y a aussi plein de femmes qui font le premier pas, mais c'est souvent les hommes qui font le premier pas. Moi, dans tous les couples que je connais, c'est les hommes qui ont fait le premier pas. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, les grunge, ouais, les grunge aussi, ouais. J'oublie souvent plein de styles, hein, mais il y en a plein. Hein. Il y avait plein de styles. Maintenant, je sais pas, on s'autorise plus à avoir une personnalité maintenant. Il faut être uniforme, tu sais, il faut être. T'avais aussi les classiques, hein, c'est-à-dire ceux qui étaient. T'avais les rebelles aussi. C'était pas forcément les punks et les gothiques, les rebelles, hein. C'était aussi ceux qui étaient contre le système, les anarchistes un peu. On a tendance des fois à faire un peu la comparaison. À tort d'ailleurs. Pour avoir côtoyé des gothiques pendant quelque temps.
Bois du schnaps. Bon, j'ai du bois, je reviens. Les quoi? Du quoi? Du schnaps. Des bulles, quoi. Ah ouais, toi, toujours plus au niveau des blocs, par contre. Alors, si vous cherchez à faire quelque chose de droit, n'appelez pas Starming, surtout. Non, mais il faut que... Là, je suis en train de préparer des blocs d'avance. C'est honteux. Mais tu sais, te casse pas la tête à faire des blocs de ouf, hein. Tu sais, tu fais des blocs classiques. Mais je le fais, c'est tout. Ok. Yeah, yeah. Vous m'avez dit de dire Hardy. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Vous m'avez dit de dire Hardy. Hop. Gars est insupportable. Cet homme est insupportable. Non. Oui. C'est bon. Là. Vous m'avez dit de pas dire Hardy. Vous m'avez dit de pas dire Hardy. Ah là là. Goulou goulou dans la case. Ah putain, mais. Oh, là, ah, mais tu vois, les humoristes actuels, ils peuvent plus le faire, ça, parce qu'ils sont, ils sont insultés de racisme, parce qu'ils font de la caricature et tout. Mais c'est ouf, hein. Je sais plus quel artiste, là, s'est fait attirer au tribunal à cause de ça. Hein. C'est ouf. Il y a un duo qui est pas mal, là, qui arrive un peu à le faire encore. Arriver à le faire, parce que là, pour l'instant, ils sont en stand-by. Oui, bah oui, avec Covid. C'était le Palmacho. Ah, le Palmacho, ils le font, ça, ouais. Ah, je sais pas. Le Palmacho, ça, moi, je trouve que c'est un peu les inconnus ou quoi de nos jours, on va dire, tu vois. Ouais. Et moi, j'aime bien le Palmacho. Le même charme et tout, hein, c'est sûr. Ah, bah, les inconnus, c'était les inconnus, mais après, c'est. Voilà. Mais ils arrivent à faire des trucs bien comme il faut et tout, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est bien, parce que maintenant, de nos jours, tout a aseptisé, en fait. Ouais. Ah oui, avec le Covid, on aseptise, quoi. Allez, passe à autre chose. Cet homme est insupportable. Oh, ça, c'est Shadow, ça. Oh, ça, c'est Shadow et ça doit être pour Starming. Ouais, mais je sais pas ce que j'ai dit. Elle te loupe pas. Hein. Le moindre faux pas. Ah non. Ça, c'est dit. Allez, hop. Oh non. C'est mon imitation. Ah, c'est l'imitation. Ah, après, c'est discutable, mais après, bon. On n'est pas là pour juger les qualités des artistes. Hein. Ah oui, voilà. Hein. Ce qui pourrait être pratique, c'est à l'entrée de la mine mettre une ou deux tourelles. Ouais. Bah, qu'ils fassent le boulot, quoi. Par la suite. Alors, moi, je visualise un truc plutôt type architecture gréco-romaine avec des panneaux solaires alimenter les tourelles vers du bas, tu vois. Je vais lui donc, architecturer la gueule tout à l'heure. C'est pourquoi on n'a pas le temps, madame. Ou ah. Sinon, peut-être une architecture new wave, tu vois. Ah, t'es chien. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, le loup. Le loup, les produits laitiers. Les laitiers sont nos amis pour la vie. Ah, ben d'accord. Non. Et je trouve. Couché! Suffit les chiens. Allez.
Petit ours je brun trouve là. aussi qu'il est pas assez gore celui-là aussi, tu vois. De... Ouais, après, est-ce qu'il y a besoin de mettre du gore? Aussi pour Shadow. Ah, pour Shadow, d'accord, ok, j'ai pas compris. Ah oui, non, mais oui. Ok, je vais ramener de la bidoche. La bidoche. Vas-y, elle m'agace à brailler là. Je vais la calmer vite fait là parce que. Où c'est que t'es là? T'as là. Couché. Suffit, oui. Pas miner tranquille dans cette mine, bordel. Ah, mais où va-t-on, monsieur? C'est pas possible de travailler dans ces conditions. Allez, du fer. On en est où au niveau du charbon? J'avais dit 10 000. Hein. Là, je suis déjà à 8 000. Allez hop, et bisous. Alors en attendant que tout se forme, je vais dans le truc peinture. Oh non, oh non, il va commencer à nous faire de la peinture. Là, on avait oublié un bloc de peinture là. Et là, c'est le drame. Et ça, ça va savoir. Non. Ah voilà, c'était ce bloc. Je vais lui architecturer la tête. Elle est en train de préparer le best-of février, là. En tout cas, alors... ça fait plaisir de me retrouver, mes petites cailles. Ça me fait plaisir. Alors. Est-ce qu'il y a du charbon, ici? Ça, c'est du plafond. Pas de charbon. Mais pourquoi on a miné ici, nous? Pourquoi on a miné en dessous, là? Ah, peut-être parce qu'il y avait du... Peut-être parce qu'il y avait du... Si tu cherches du charbon, il y en a à la surface. Sur un des côtés où les zombies ont creusé. Ah, j'arrive. Mais juste au-dessus de la mine. Hein. Parce que pour le moment, là, je priorise le charbon. J'essaie d'en faire une grosse quantité pour qu'on soit très très large. Juste au-dessus de la mine, tu m'as dit... Il y a du charbon. Ça, c'est pas du charbon, c'est de la pierre. Ouais, ici. Ici, là. De toute façon, il me faut de l'argile, donc je vais en faire un petit peu aussi. Alors ici, tu dis. Hein. C'est pourquoi, madame? Non, madame. Au revoir, madame. Ah, chien, chien. Patientez deux secondes, s'il vous plaît. On se calme. Ça suffit. Brutus, couché. Suffit, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je saigne. Mon cœur saigne. Je vais prendre la bidoche un peu. T'es pourquoi? Oh là là, il y a du monde là-bas, là, devant la base. Bonjour mesdames. C'est la merguez. Merguez partie.
Et bisous, hein. Tu veux de l'XP, tu me demandes. Hein. La seule chose que... La seule chose que je regrette, c'est qu'on loote rien sur les zombies. Vraiment. C'est de la chair. On peut pas les dépouiller, quoi, comme sur Rust, par exemple. Ah, je t'entends, c'est ce que j'ai. Ouais. Ne serait-ce que 2-3 chairs pourries, quoi, moi, histoire de dire, quoi. Dans la vraie vie, tu scalpes un zombie pour choper sa peau, tu sais, pour faire de la graisse, des choses comme ça, tu vois. Bah oui. Oui, je sais, c'est bizarre. Du coup, il n'y a pas de charbon, mon petit loup. Hein. Je sais pas où c'est que tu as vu du charbon, mais parce que là, ça, c'est de la pierre, ça. C'était dans le trou que tu avais vu. Donc, bah, ça, c'est de la pierre. Non, c'est de la pierre, ça. Hein. C'est de la pierre, ça, regarde. Ah, punaise, désespoir. C'est de la pierre. Désespoir. Hein. J'arrive. C'est vraiment très noir, le charbon. Hein. On est vraiment sur une texture vraiment très noire. Un peu comme ça, regarde. Je vais te montrer. Hop. Bon, j'en ai en dessous, là. On pourra te montrer. Tu vois, charbon, on est plus là-dessus, tu vois. C'est vraiment quelque chose de. Comme ça, tu vois. Vraiment très noir, quoi. Ça, c'est du charbon, ça. C'est très, très noir. Je pense à la chanson de Johnny Hallyday, alors. Bad trip. Il est noir. Oh, c'est de l'armillier, ça. Non, ça, c'est de l'armillier. Où es-tu? Ah, d'ailleurs, sur ce mule... Ça y est, j'ai corrigé mon micro et tout, et maintenant je trouve qu'il a une meilleure qualité. Ah, mais c'était plus le décalage que la qualité. Ouais, mais même le décalage, je crois que ça s'est réglé en fait. Regardez, les gens, pour l'info, je sais pas si vous le verrez. Hop. Regardez, un chat perché là. Mignon, hein. Chat perché. hop là. Voilà, c'est bon là. Yes. Il joue à chat perché, mais il a pas compris que je voulais pas jouer. Enfin, elle a pas compris que je voulais pas jouer. Alex! Du fer, ça c'est cool. On a des bons petits filons quand même dans notre mine. Hein. On a des filons qui payent bien. On a un peu de sable comme ça si t'as besoin de faire du build. Parce que par la suite, on a dit qu'on allait créer une ville, c'est ça? C'est le gars. Toujours plus quoi. Non, mais ouais, là, je suis après, en soi, on est en mode survie, mais après, rien nous empêche de mettre des petits challenges par la suite si vraiment on a envie de se marrer quoi. Mais une fois qu'on aura passé, on a le temps. Ça peut venir vite quand même. Du coup, il fait le même bruit que du métal. Attendez les gars, si je dis à Starming, fais-nous des maisons avec des canapés et tout, il va arriver. Il va être en surkiff lui. Hein. Il va revivre, c'est les gars. C'est ce que je suis déjà en train de faire, là. Oh, putain. Je suis en train de retaper la vieille maison, qui était notre base avant. Ah, je vais aider. Combien là, j'ai refait du fer du coup. Bon, on est bien là. Je finis de taper le filon là et après je remonte. On va pouvoir faire de la poudre à canon à crever. Attends, j'avais dit c'était quoi la poudre à canon déjà? Charbon et poudre à canon. Ça, c'est une grille d'aération. Charbon et poudre de titane. Ouais. Sachant que ça me coûte plus cher si je le fais à la main. Si je le fais, ouais. Là, ça m'en fait 2000 déjà.
Alors, je fais du fer pour pouvoir faire des pointes de balles et tout. Il nous faudra du laiton, hein. Faudra qu'on fasse de l'explo. Compte sur moi. Il nous faudra du laiton. Ça, je suis en train d'y penser pour les prochaines explos ou même quand ils vendent des trucs en laiton, on achète. Hein. Ah, okay. Ou du laiton. Pour faire masse balle. Sacré filon de fer là, on pourra récupérer la prochaine fois. Un sacré filon là. Sacré filon. Voilà le charbon. Give it to me. Une petite couleur. Toujours plus. Allez hop, c'est bon, ça arrête. On va laisser la boiserie apparente aussi, ça fait un petit charme chalet. La boiserie. Peut-être songer à mettre un système d'éclairage assez moderne pour faire ce petit côté scandinave. Oh putain. Tu verras le scandinave tout à l'heure. Tu vas voir le scandinave. C'est mon boulot qui me manque en fait, je crois. À ce point-là? Ah ouais, alors... Chute. Chute. Ah, mais c'est qui la gourgandine qui a creusé dans le plafond? T'es bon? Où ça? Eh bien, brutus, celui-là. Et bisous, hein. Headshot. Torse shot. Ah, mais où? Mais où on me tape dessus, là? Ah, d'accord. Plaît-il? Oh là là, Alex! Il suffit! Pas compris là, pas compris. Admettons. Quoi, j'ai encore faim. Mais sérieux. Je vais venir avec toute la viande que j'ai ramenée, je peux en faire. Je vais pouvoir faire du steak haché là. Hein. Qui c'est qui va manger du steak haché? C'est pas moi. Ah, ça y est, enfin ça tombe. Oh là là, je vous jure, les bonnes femmes. Bah ça y est, voilà. Ça va les récoltes, ça avance là. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont récoltables là.
Faudra qu'on regarde là dans les plantations là. Tu vas voir le Scandinave. Shadow. Que j'aimerais bien remettre le solde au milieu de l'entrepôt en béton lissé là, mais j'arrive pas à trouver le béton lissé, je crois que j'ai pas le livre en fait. Ah. Alors là, je saurais pas t'aider. Hop, du coup, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Alors, alors. Je voulais faire du nitrate. Qu'est-ce qu'il y a pas? Ah, tu veux du bois? D'accord, bon, on va t'en mettre du bois. Voilà, tapis. Tiens, 2000, mon gars. On va t'occuper pendant un petit moment, ça. Bon, concernant la poudre, on n'a pas besoin d'y revenir pour le moment. Je dis bien. Pour le moment. Avec ce que je lui ai mis à fondre là. On devrait être bien pendant un petit moment. Maintenant, il va falloir qu'on fasse fondre du fer en grosse quantité. Donc là, ça va être la ferraille time là. On va continuer à faire des pointes dans des douilles de balles. Bon, je vais te Voilà. poser Ouais, c'est le parce que laiton je vais qu'il va aller falloir là. après. Hein. Est-ce que j'avais vidé ma moto? Hop, on va faire des douilles Pour ici. Attends, on je vais va faire faire le fondre tour du des fer. boutiques là. Yes. Attends, on va mettre un peu de sable aussi, tant qu'à faire. Là, qu'est-ce qu'ils font là? On va mettre un peu de fer aussi. On va mettre que du fer ce coup-ci. Et là, je veux que tu me fasses. Pas des douilles, des pointes. Qu'est-ce qu'il faut pour les pointes? Oh, il n'y a pas d'argile! Si, il y a de l'argile. Non, c'est le plomb qu'il n'y a pas. Ah, oh, il me faut du plomb! Il me faut du plomb! Il me faut du plomb! Ah, de l'argile, tiens, d'ailleurs, on va en mettre d'autres là. Dans l'argile, il y a ce qu'il faut ici. Là, il n'y a pas ce qu'il faut, donc là, on va en mettre d'autres. Ah, il faut du plomb! Il faut du plomb, il faut du plomb, il faut du plomb. Pas de souci, on va te chercher du plomb, mon petit loup. Du plomb, je sais où en trouver en plus. Je vais aller vendre la pierre une fois qu'il sera ouvert, loulou. Et il est déjà moins 10, bordel! Passe tellement vite. Et ouais, quand on s'amuse. Quand ça. Ouais, quand on est occupé surtout. Surtout quand on est occupé. Quand on est occupé, quand on s'amuse évidemment aussi, mais. Des fois tu t'amuses, mais tu sais, voilà quoi. Tu sais pas quoi faire. T'as envie de t'amuser, disons. Là, on sait quoi faire, donc du coup, on va à l'essentiel et le temps passe vite. Starming me fait peur, il a parlé de tapis. Shadow, shadow, shadow. Et c'est le fait qu'il parle de tapis qui te fait peur. Shadow, aurais-tu une relation compliquée avec les tapis? Est-ce que tu veux en parler? Nous sommes là pour t'aider et non pas pour te juger. Oula. Par contre, il n'y a pas de. Ah si, là. Là, il y a du plomb. Bim. Voilà, allez hop. Je n'en parlerai pas. Bah, Shadow, pourquoi tu veux pas en parler? Parle de tes soucis, tes relations compliquées avec des tapis.
On sent que ça te touche. C'est une histoire qui te touche, j'ai l'impression. Ce jeu mériterait comme Rust en fait. Un truc comme Rust, ça veut dire une refonte totale, tu vois. Oui. À un moment et. Ouais, mais sur quoi? Parce que c'est pareil, il y a des choses. Une remise à jour, tu sais, une grosse remise à jour. Parce qu'il y a des, choses qu'il faut pas toucher. Il y a des choses qu'il faut surtout pas toucher dans, Seven Days. Du genre niveau graphisme, des bugs d'eau et tout, tu vois. Après, il y a des trucs qu'il faut pas toucher, c'est sûr. Je vais un peu fouiller cette maison là. Pars pas trop loin parce qu'on va pas tarder. Hein. Ici un petit quart d'heure en max. Non, t'inquiète, je suis à côté. Bon, après là on n'est pas sur Rust, on peut laisser notre corps au milieu de. Oui, voilà. Le corps reste pas donc. J'en suis au niveau du plomb, 4000, on va essayer de faire moins 6000 les gars. Aïe. Un livre que je n'ai pas lu. Ça arrive parfois, ouais. On est surpris, mais... Les loups sont des prédateurs courants. Ils sont redoutables lorsqu'ils agissent en meute. Ils infligent 10% de dégâts supplémentaires aux loups. Intéressant. Allez, encore 400. Moi je remonte, je remets le plan à fondre. Ça nous fera plein de petites balles pour la prochaine fois. C'est possible que ce soit Bibi. Alors, j'allais faire slash home encore. Allez, je retourne à la base. Oh, la brailleuse encore là. Mais ça suffit, oui. Oui, forcément, elle m'a attiré toute la smala. Ouh. Allez, bonne nuit. Fusil tireur d'élite niveau 6. Allez, bisous. GG. Ah. C'est pas mal ça. Si je veux tirer que. Oh là là. Je l'ai balayé. Trop de sang. Et encore là, ça va, c'est soft hein, niveau 100.
Moi, je trouve que Seven Days, c'est quand même ultra soft. Ouais. Il y a des jeux, mais bien pires, quoi. Shadow, t'as pas vu Dead Rising? Non, mais Dead Rising, c'est. C'est de la boucherie gratuite, Dead Rising. Ah ouais, non, mais. Dead Rising, c'est pas est-ce que tu vas survivre à un zombie, c'est combien tu vas tuer de zombies en fait. C'est ça la question que tu te poses vraiment. Oui. Ah, dommage que tu regarderais pas, tu vois. C'est plein. On va mettre un peu de plomb. On va mettre du plomb ici, là. Tac. Ok, bon. Là, j'ai combien de trucs là? 300 et 400. Je vais pas pouvoir faire grand-chose là. Bon, on en fera plus tard. On va déjà ouvrir ça. Voilà. On va ouvrir celui-là aussi. Voilà. Ce qui fait plein de nouvelles petites balles pour les 7762. On est repassé à quasiment deux lignes. C'est cool. Je vais prendre ce qu'il y a à vendre en minerai, histoire de qu'on se fasse des sous-sous. C'était là. Il me semble que j'en avais quelques-uns. Yes. Oh! Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un gros monsieur vert! Ah, bah tue-le. Ah ouais, 3000 XP quoi. Toujours plus. Toujours pareil. Veste de protection. Alors du coup, je vais commencer à vendre quelques trucs. Il doit être sexy avec. Ça se vend que dalle, ça. C'est plus ça qu'il faut vendre en fait. Ouais. Alors là, faut que je regarde ce qu'on a en grosse quantité. Genre ça, on l'a en grosse quantité. Ça, on en a combien de ça? Attends, on va faire ça Veste déjà. militaire. Genre ça, là. Ça, on touche pas. Ça, on en a pile poil deux. Ça, on reste là. Je pense que le fer fait là, mais c'est pas grave. Ça, on en a deux stacks. On va se garder deux stacks de chaque. C'est bien déjà deux stacks de chaque. Ça, on va en vendre un stack, vu qu'on en a deux en cours. Alors, si je ne m'abuse, les voisins ne sont pas très contents. Qu'il y Donc, a? on va aller les tuer. Bon, alors, il faut encore qu'on gère le voisinage là. Voilà. On va pas nous attirer les emmerdes encore. Hein. Ah, ils risquent pas de revenir, hein. Ah bon? Ah ouais, j'ai oublié ça, que j'étais à côté d'une base militaire. Ça peut faire la différence, hein. Oui, bah là, avec une balle perdue, j'ai fait exploser un chien, mais bon. Tout ce qui est en dessous Ah, de niveau. il est 6h, c'est l'heure de d'aller au supermarché. Ouais. Et puis Comme après, les petits vieux. on va s'arrêter après, J'ai. mon petit loup, hein. Eh oui, hein. Un tour au supermarché, des petits loups, puis après on va devoir se quitter. C'est triste. Ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble, mais bon. Toute bonne chose a une fin. Ça passe tellement vite. J'ai l'impression d'avoir démarré le live il y a 10 minutes, quoi. Allez, on va voir le copain. Non, si, Shadow, si, si, si. On se retrouvera demain après-midi, les amis, pour du Rust. On testera des serveurs comme ça. Voilà. Pour le moment, on va tester serveur, on va tester les communautés, on va voir un petit peu comment sont les gens. On va tâter la température. What do you need? What do you need? C'est plutôt moi qui vais te dire qu'est-ce que tu veux que je te vende, loulou? Tiens, donne-moi des sous. Encore. Et toujours. Voilà, prends-moi tout. Prends toute ma pierre. Je peux acheter des pointes de Ah, balle.
Il veut plus de cet objet-là. Il n'y a pas de souci, on va passer à autre chose. Ah, cet objet ne m'intéresse pas. Ok, est-ce que celui-là t'intéresse? Yes. Est-ce que celui-là t'intéresse? Yes. Écoute, moi, ça me fait des sous-sous, là. On est déjà à 22 000. Voilà. C'est Oh, des tabourets de bar, j'achète. T'es sérieux, là? You cannot be serious! Il faut des douilles ou pas? Des douilles. Ça pourrait Pour être faire des intéressant. munitions? Douilles, tu peux prendre, ouais. Allez, qu'est-ce qu'il me vend là? Oh yeah! Qu'est-ce que tu vends, loulou? Un robinet en laiton. Ça se fond, ça. On n'en est pas rendu là, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Des œufs. Pas ouf ce qu'ils vendent. Ouais, les œufs, des œufs, tu peux prendre. Je vais prendre les miens là aussi, là. Je vais prendre les douilles de balle. Un banc de batterie, t'as besoin ou pas? Non, j'en ai plus besoin. Ok. Ils vendent pas de moteur, hein. Ça craint, hein. Ça craint les boulins. Merde, que je... Mais je suis con. En vrai, je préfère qu'on garde les balles classiques. Ok, bon, mais ça c'est good, hein. C'est good, c'est good. Attends, est-ce que du coup, nouvelle journée, nouvelle quête, bien évidemment. Ah, on va avoir des provisions enterrées, on va avoir plein de petites choses sympas là, la prochaine journée, là, c'est cool. Provisions enterrées, ça veut dire des balles et de la bouffe gratuite. Enfin, pas gratuite, mais easy, quoi. Bon ben voilà, on est de retour les amis, hein, dans l'épisode de reprise sur 7 Days to Die. Là, je commence à rattraper le retard que j'avais sur les lives en rediffusion. Donc vous allez très rapidement pouvoir revoir un petit peu le cours des aventures dans l'ordre. Je crois que j'ai dû poster le 26e épisode et on doit être au 32e ou 33e épisode là aujourd'hui. Donc vous voyez, ça avance, ça avance. Donc pour ceux qui louperaient bien sûr ce live en rediffusion, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Alex Kidd Replay où vous avez tous les replays quasiment de tous les lives. Ouh là là, touche réminiscente, mais réminente. Par contre, on en parle des bugs visuels. Et du coup, vous allez retrouver ça très rapidement. Et ça fait zizir. Hop, on va mettre les œufs avec la bouffe. Tac. Alors, on va remettre ça dedans, du coup. C'est pareil, on a plein de trucs de quête, hein. Ah oui, ouais. Un truc de quête, c'est impressionnant. Bon, mais j'attends que tu rentres. Là, je suis sur la Ah ouais, route, ah ouais, la pierre, faut qu'on calme quand même. La pierre va falloir se calmer, je pense. On a un peu beaucoup de pierre, quoi. Un peu beaucoup. Alors, il va falloir qu'on trouve des moteurs. Parce que c'est ça qui me bloque pour l'instant pour finir. Ah ben moteur, c'est faut désosser. Va falloir désosser de la voiture. Pas le choix. Ça c'est ce qui donne le plus facilement des moteurs, c'est ça. C'est démonter les bagnoles. Donc faudra qu'on fasse des tours dans les villes et puis tac 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 tac. On démonte. Douille, pourquoi Douille tu m'en fais un ces pointes? J'aimerais qu'il me fasse. Ouais, il va me finir ça, il me fera les pointes derrière. Très bien. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse quelques petites balles là vite fait avant de partir là? 7,62 là. Voilà. Allez, on a 300 qui sont en production. Nickel. Et voilà. Bon les loulous, on va s'arrêter là. Merci à vous tous d'avoir été là. C'était un plaisir. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures en compagnie de Starming, les amis. Hein. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Journal d'un chasseur. Mais je ne le connais pas non plus. C'est étonnant. Voilà. C'est cocasse. C'est cocasse.
Au niveau des skills, il faudra qu'on regarde aussi ce qu'on va augmenter parce que j'ai 2 points à dépenser et je crois que j'avais plus rien à monter vraiment. Donc là, ça va être surtout une compétence pour dire on monte une compétence, quoi, en fait. Il me semble que j'avais plus rien à monter. Hein. Là, c'était à fond. Là, c'était à fond. Après, c'est, je vais monter d'autres trucs. Mais là, vous voyez qu'il me reste quand même des petites compétences où il manque encore. Genre le journal du chasseur, par exemple. Là, tu m'as filé celui du loup, mais il me manque celui du puma, du cervidé, de l'humain. Voilà, il y a plein de choses encore. Il y a 2-3 trucs à récupérer. Là, le pistolet de calibre 44. Il nous reste encore des petites choses à farmer. Le trésor de terre désolée. Tu vois, vous voyez, il m'apprenait à tisser des fibres végétales pour en faire du tissu. Ça, c'est pareil. Voilà, il y a plein de petites choses encore. Il nous reste 2-3 choses encore. Il nous reste 2-3 choses. Vous voyez qu'il y a du backstrap, une sorte de café très fort. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Bon, en tout cas, merci à toi, Starming. Merci à toi. Et puis, du coup, on va s'arrêter là, les petits loups. Merci à vous. Portez-vous bien. Et puis, comme je dis tout le temps, ciao, kiss. Ciao, ciao.